Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo caméra de chasse. Donc c'est la première fois que je vais faire ça. Alors oui, en effet, avant de commencer, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'ai eu quelques petits soucis de santé financière, mais tout doucement là, ça va un peu mieux. Donc on va reprendre un rythme de vidéo assez rapide. J'ai acheté une nouvelle caméra, j'ai acheté du nouveau matos, nouveau micro et aussi des détecteurs EMF pour pouvoir faire des enquêtes paranormales. J'ai pris d'autres petits trucs aussi, mais vous verrez tout ça bientôt. Ça devrait, bientôt pouvoir tourner la première enquête paranormale. J'attends juste qu'il fasse beau, parce que en attendant, il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie, mais pas beaucoup de soleil. Donc j'attends qu'il y ait une nuit à peu près calme et j'irai commencer tout ça. Alors là, je vous montre d'ores et déjà là où on est. Je peux pas mettre des caméras de chasse ici parce qu'il y a tout simplement trop de ronces. Donc ce que je vais faire, c'est que juste à côté là, il y a des champs. Donc je vais traverser les champs et je vais aller dans un autre petit bois où il y a moins de ronces que j'ai repéré tout à l'heure. Je vais vous montrer avec le drone où est-ce que je suis. Et puis c'est parti, let's go. Voilà, je vais aller me mettre dans cette forêt. Je pense que ici il y a du passage, il y a quelques arbres coupés et tombés. Je vais peut-être pouvoir mettre les caméras là-dessus. Faut que j'essaye de trouver en fait un point de passage. Donc est-ce que le milieu comme ça c'est bien? Je sais pas. Ou est-ce qu'il faut vraiment que je trouve, je sais pas, une coulée ou une connerie comme ça. Je suis pas encore un pro. J'espère que ça va être bien. Je pense que je vais en mettre une par là. On dirait que ça a été un peu... voilà, là. Pareil ici, on dirait que ça a été un peu secoué, un peu retourné. Donc on peut espérer que à côté de cet arbre et de celui-là juste là, il y en a peut-être qui passent. Après quoi, je sais pas. On est au milieu des champs, il peut y avoir des chevreuils, des sangliers, des renards, beaucoup de petits rongeurs. Je pense que je vais en mettre une là. Je vais la mettre juste là, ici, qui va viser là, le coin où ça a été un peu retourné. Je vais dégager cette branche parce que si ça bouge dans tous les sens, ça va être nul. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris aussi. J'ai pris des petites croquettes de chat, donc voilà, j'en ai un petit paquet, j'espère que ça va les attirer. Et puis des croquettes de chien, pareil. Donc je vais mettre sur les deux, croquettes de chat et croquettes de chien, hop. Et puis je vais vous montrer les caméras que j'ai. Voilà. Donc c'est des Cool Life. Ce qui est bien, c'est qu'elles ont trois, comme vous voyez, trois capteurs. Donc elles peuvent prendre vraiment beaucoup plus large que si elles en avaient qu'un de capteur. Elles ont une qualité plutôt bonne et elles sont pas chères. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens dans la description pour que vous puissiez vous les procurer. Pour l'instant, je vais mettre la petite sangle pour la faire tenir juste ici. C'est magnifique, il commence à se mettre à pleuvoir. Quand je disais que le temps était en train de... Oh, je me prends une rincée. Bon, je vais ranger cette caméra le temps que j'installe les autres. Ok, donc première caméra ici, qui va viser tout là,
Je vais mettre du coup un petit peu de croquettes ici, un peu par là. Et là, croquette de chien. Hop. Et voilà. Hop. Eh bien, je vous montre tout de suite le stratagème. Hop. Caméra, croquette, tout là. Je pense que celle-là, je vais la laisser 4 jours ici. J'ai plus qu'à aller placer l'autre, tout simplement. Donc je vais aller mettre un peu plus dans la forêt par là. Et je vais mettre dans un coin peut-être un peu plus sombre, quoi. C'est parti. Et voilà, hop. Ça veut dire que là, j'ai 15 secondes pour dégarpir. Et hop, oh non, j'ai tout déréglé. Hop. Voilà. C'est parti. Du coup, il y aura des deux, normalement une photo et une vidéo de moi. Parce que du coup, c'est ce que j'ai mis comme réglage. Une photo qui prend juste avant la vidéo pour être sûr en fait de... Enfin, presque être sûr de pouvoir voir le déclenchement. Et là, comme vous voyez, c'est l'orage. Et ouais, je fais vraiment ça sous un temps de merde. Pardonnez-moi de l'expression, mais bon, c'est pas folichon. Donc je vais passer par là, hop. Voilà. Non, plutôt par là. Putain, vous verrez la galère que c'est. Là aussi, il y a du passage, on dirait. Juste là. Et là. Ah ouais, ouais. Il y a des choses ici. Je vais mettre la caméra là. Qui va filmer ici. Comme ça, là. Ça doit être des sangliers. Parce que les sangliers, je sais qu'ils retournent la terre pour aller attraper les racines. Donc à mon avis, ça doit être ça. Je sors évidemment mes petits appâts pour les plus petites bêtes. Parce que je pense pas que ça intéresse les sangliers. Hop. C'est parti. Du coup, je vais la mettre ici, sur cet arbre là. Je croise les doigts pour qu'il y ait quelque chose. Désolé, j'ai pas l'habitude, j'ai le retour, c'est pour ça que je regarde un peu. Mais c'est plus pour voir si on me voit bien. Hop. Yeah. Maintenant, on passe ça là. Hop. C'est pas trop mal là. Faut pas que je reste trop longtemps non plus, parce que sinon ça va attirer les enfin ça va justement pas les attirer, je veux dire. Hop. À mon avis, pour que mon odeur parte, il faudra peut-être un ou deux jours. Mais là ça va, il pleut, donc est-ce que ça va la faire partir plus vite? J'espère bien. Dites-moi en commentaire si vous savez. Parce que ça, je sais pas. Je pense qu'avec la pluie, ça la met au sol et du coup, elle part plus facilement. Enfin bon, bref. On va tout de suite activer cette caméra. Hop. Et voilà. 15 secondes pour dégarpir. Putain. Et bon, comme je vais devoir repasser devant pour m'enfuir d'ici, elle prendra automatiquement une photo de moi et une vidéo de 30 ou 25 secondes, je sais plus. Enfin bon. Et ben les amis, on se dit à dans 3, 4, 5 jours. Vous, ce sera avec la magie du montage. Mais moi, faut que j'attende. Et j'espère avoir des résultats. J'aimerais bien filmer un renard. Mais je sais qu'ils sont assez farouches. Ils aiment pas les installations humaines. Donc, voilà, voilà. Bref, je vais partir pour laisser le moins possible mon odeur. C'est parti. Et avec la magie du montage, on se retrouve tout de suite pour voir ce qu'on découvre.
Eh bien, rebonjour à tous. Ça fait 5 jours que j'ai laissé les caméras. Là, je suis en train de passer dans un champ et elles sont juste dans la forêt là. Et dans ce champ là, j'ai repéré des traces de pas. On aurait dit sanglier. Puis il y en avait des plus petites aussi qui ressemblaient à des petits chevreuils quoi. Donc on va aller voir tout de suite ce que j'ai sur ces caméras. Je croise les doigts pour avoir de bonnes choses. Voilà, c'est des traces comme ça que j'ai repérées. J'en ai vu des plus grosses, j'en ai vu des plus petites. Alors, si vous savez ce que c'est ça comme trace de pas, mettez-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Avec un peu de chance, j'aurai quelque chose. Là, vers là où j'ai mis mes caméras, juste à côté des bois, il y a plein de traces de pas. Ça se trouve que là où je vais, il y en a aussi, là où j'ai mis mes caméras. Plus qu'à enlever la sangle et à regarder s'il y a des choses. 80. Wow. Ok. Ok, là j'en ai une. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un chat à 21h44. Et non, c'est pas un chat. C'est pas un... Oh là là. Oh, j'ai eu un renard. C'est super. Je suis super content. Ouais, on le voit bien. Il y a quelques photos, quelques vidéos. Super. Pour la première vidéo, il est bientôt 22h et on voit un renard qui est attiré par quelque chose. Il regarde beaucoup la caméra. Il avance aussi avec beaucoup de prudence. On voit qu'il veut s'approcher, mais il est très intrigué par celle-ci. Il reconnaît pas l'objet et je pense que ça lui fait un peu peur. Puis après ça, plus rien jusqu'au 26. Faudra attendre 23h pour revoir un renard. Mais on va juste le voir en fait apparaître et disparaître dans la noirceur de la nuit. Avant d'à nouveau le revoir encore une fois, il faudra attendre quelques heures et plus précisément 2h58 du matin. Encore intrigué, il vient tout en observant encore cette fichue caméra. Non mais oh! Mais surprise, il goûte enfin mes petites croquettes. Puis on le voit un moment manger, on dirait quelque chose d'un peu plus gros. Peut-être les amis, un rongeur qu'il aurait capturé juste à côté de la caméra. Et ensuite, le bouc il fait sa vie, hein. Il vient par intermittence manger et puis il repart. Mais entre temps, on aura un tout petit coucou d'un petit chevreuil. Regardez ça. Il est pas mignon, hein? Ah, et le jour se lève enfin. Qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, cette journée, les amis, on aura deux oiseaux. Ils font leur petite popote dans les feuilles. À peine la nuit retombée, notre copain est de retour. Et je pense qu'on va l'appeler Robert. Et puis le 28, la veille de ma venue pour récupérer les caméras, notre cher Robert est de retour pour déguster le peu de croquettes qu'il reste. Maintenant les amis, passons à la caméra numéro 2. Sur celle-ci, on voit pas grand-chose à part un chien la journée. Bon, ok, pourquoi pas.
et un meurtre. Oui, j'ai bien dit un meurtre.